Ah, deux LFI. On les connaît quand même. Ils sont dans l'outrance, ils sont dans la provocation. Ils n'ont aucun problème à vouloir manipuler la démocratie et les scores quand ils sont défavorables. Mélenchon, encore une fois, se prétend être le vainqueur de ces législatives alors qu'il est plutôt dans les vaincus. Moi, ce que je retiens malgré tout, c'est que de Mathilde Panot, c'est quand elle dit que Emmanuel Macron a perdu. Et en effet, il y a un message subliminal qui est donné en disant les Français ont dit non au Rassemblement national et auraient dit oui à Macron, mais non. D'abord, les Français n'ont pas dit non au Rassemblement national. Il est encore à 10 millions, 11 millions de voix. Et il me semble que Emmanuel Macron, qui, en procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, espérait avoir une majorité absolue, se retrouve avec une majorité très relative et en plus une majorité qu'il a eue grâce au soutien de la France insoumise. Et moi, ce que je retiens de cette coalition qui pourrait se perpétrer, ce serait une coalition odieuse, mais qui existe déjà en sous-main, dans les sous-bassements, entre la Macronie et la France insoumise. Il y a des liens entre la Macronie et la France insoumise. Des liens sociologiques, des liens idéologiques. Toutes ces deux formations, ces deux grands mouvements défendent la même société ouverte, la même société multiculturelle, la même société ouverte également à l'islam radical dans les deux camps. Et je pense qu'il y a des connivences et il y a des rapprochements qui pourraient se faire. Si Emmanuel Macron veut faire une coalition, qu'il aille de ce côté-là. Parce que c'est lui. Gérald Darmanin s'est opposé à l'islam radical, à la loi séparatiste. Gérald Darmanin a été élu grâce au soutien de la France insoumise. Comme la Première ministre a été élue grâce au soutien de la France insoumise. Donc il y a des grandes ambiguïtés, si vous voulez.